إيش خايل مين صار ذر خايك مبنين مخرام بتخبر لي بالون ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישור אישור ירס ירס אשר Pour lui, il vient une aura très spéciale, un éclair d'en haut qui nous prépare à celle de Pessah, à l'éclairement de Pessah. Mais Pessah, c'est quelque chose d'extraordinaire qui était déjà prévu depuis la création du monde. Ce soir-là, de 15 Nissan, c'était déjà prévu depuis le début. Et les Rachamim qui disent que ce jour-là, il avait été décidé depuis le début, pour la Géoula, pour la délivrance du monde entier. Et la veille de ce jour-là, Adam Arishon, il a pris ses enfants, Caïn et Abel, il leur a dit, regardez, ce soir, c'est un moment qui est propice pour le tikkun, la réparation du monde. Alors, emmenez des corbanotes, emmenez des offrandes à Hachem, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de passer par tout ce qu'on doit passer. Le monde n'aura pas besoin de passer par tous les tikkunim pour arriver à la réparation finale. Donc on sait que Caïn il a emmené des fruits, c'est ça si je ne me trompe pas, Caïn il a emmené des fruits et Abel il a emmené une brebis ou deux brebis. Et puis ça a été un fiasco quoi, ça n'a pas marché. Parce qu'il a été jaloux de Lot et puis il a tué, et après ça a continué l'histoire. Donc c'était râpé, c'est dommage. C'est ce soir là-bas qu'ils ont emmené les corbanotes. Et donc le début de la Géoula, ça a commencé, à quel moment ça a commencé le début de la Géoula? Quand Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Oui, c'est là qu'il lui est apparu et qu'il a dit, Moshe, maintenant tu vas aller délivrer le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, moi papa, moi je ne suis pas la hauteur. Autant, mon cher Abenou, qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps quand il est né en Mitzrayim? Et à l'âge de 15 ans, je pense qu'il est parti de Mitzrayim, il s'est sauvé parce qu'on voulait le tuer. Et donc, il s'est sauvé. Et puis, bon, il est arrivé tout plein de choses, peut-être qu'on verra ça dans notre cours, c'est très intéressant, la vie de mon cher Abenou. Tout le temps qu'il était en exil, l'exil de l'exil, jusqu'à ce que pendant 64 ans, il n'a pas vu l'homme d'Israël. Il est parti à l'âge de 15 ans, 16 ans, et il est revenu à l'âge de 80 ans. Et oui, pendant 64 ans, il était roi Edson. Il était aussi chez les Kouchim, il a été roi chez les Noirs, il a été tout d'abord. Il a été jeté dans un puits par Pitro, qui n'était pas encore son beau-père, mais qui savait qu'il était poursuivi en Mitzrayim. Et quand il a su que c'était lui, donc il l'a jeté dans un puits et en disant il va mourir tout seul, c'est tout, puisque c'est ça son dîme. Et après, au bout de quelques années, quand il a vu qu'il n'était pas mort, pourquoi? Parce que Tzipora, elle venait en cachette, elle a vu la grandeur de cet homme-là. Elle lui donnait à manger tous les jours, pendant des années. Et au bout de 4 ans, quand il est venu pour voir les ossements, il a vu le Ben Adam. Alors il s'est dit, celui-là, c'est Aïch Elohim,
Il a sorti de là-bas et il a donné Tsipora à sa fille. Et entre-temps, il a été roi chez les Noirs, il a fait des guerres, il a sauvé des peuples, il a fait énormément. Moshe Rabbeinu, il n'est pas resté les bras croisés. Ce n'est pas qu'il est sorti de Mitzrayim, comme ça, un petit jeune homme tout mignon, il est allé être un berger, et puis il est revenu dire, oh, voilà, Monsieur Paro, s'il vous plaît, laissez partir mon peuple. Non, c'était maman chez... Comme il dit Rabbi Nathan, il dit comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a été ce qu'il a été. Et aussi, la suite, vous la connaissez, c'est comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai il a été ce qu'il a été, que le Baal Shem Tov il a été ce qu'il a été, que l'Arizal a été ce qu'il a été, que Rabbeinu il a été ce qu'il a été. Et que j'ai été ce que j'ai été, c'est avec la Itra Scout. Que je me suis, quoi, parce qu'on s'est renforcé dans les épreuves. Tout, ne croyez pas que les tzadikim, ils sont nés tzadikim. Ils sont devenus tzadikim. Ils sont nés avec des possibilités comme tout le monde, comme vous et moi. Mais ils ont été éprouvés. Hachem, il les a éprouvés pour voir combien ils allaient être fidèles et jusqu'où ils allaient arriver avec les kélim que la Torah nous donne, c'est-à-dire avec la tfila, avec les nisour nefesh, avec les mitzvot, avec le nom de soi, etc. Et donc Rabbi Nathan il dit, ils sont arrivés à leur madriga, et il le dit sur lui-même aussi, parce qu'il est bien conscient, Rabbi Nathan, que toute la Torah de Rabbeinu, elle est là grâce à lui, il le sait, il le sait très bien, parce que Rabbeinu en plus il a dit, que lui aussi il a expérimenté, quoi, il a vu de ses yeux combien il a réussi à Tadishmaïa, il a l'aide du ciel pour mettre sur écrit tous les divrei Rabbeinu. Donc, il a eu des missions d'ordre. Moshe Rabbeinu, il a eu des missions d'ordre, il a été au Med, il a eu des épreuves, il s'est renforcé et le principal de sa avoda, c'était quoi? Aya Roé Tzon Bamidbar. Il était berger dans le Midbar. Il était le berger des troupeaux de son beau-père, Yitro. Bamidbar. Et le Midrash, il dit, c'est quoi Bamidbar? Bamedaber. L'endroit où on parle. C'est-à-dire qu'il était dans les baux des doutes toute la journée. David Amedar aussi était roi, il était aussi berger, il parlait à Hachem toute la journée. Qu'est-ce qu'un berger? Pourquoi on dit que, en général, ceux qui sont venus, les tzadikim qui sont venus, délivrer l'âme d'Israël, c'était des bergers, et parce qu'ils avaient la force de gouverne, de manigoute sur le troupeau, et aussi parce qu'ils étaient tout le temps au Kesher avec Akadosh Baruch Hu, avec le Dibour. Ils étaient dans le Midbar, Medaber, ils étaient dans la Hibou des Doutes. Donc pendant 64 ans, mon cher Abénou, il a prié. Quand il était dans le puits pendant des années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié pourquoi? Pour être Midgaver, évidemment, pour rester en vie, parce que c'était une question de vie et de mort. Moshe Rabbeinu, il était poursuivi tout le temps. C'était une question de vie et de mort, donc il fallait se renforcer. Il fallait avoir la force de continuer à vivre, il fallait avoir la force de prier pour l'âme d'Israël, parce qu'il savait qu'il était dans la servitude et que c'était très, très dur pour lui, c'était son peuple. Donc il a fait une bonne doute. Tant quand Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à lui au buisson, c'était pas un grand chidouche pour lui, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, une chose à laquelle il ne s'y attendait pas. Il avait l'habitude de parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc quand il a dit, maintenant tu vas aller et tu vas délivrer mon peuple, let my people go. J'ai d'ailleurs entendu un dibour d'un arabe qui disait que l'Hashpa'a de la Géoula de Mitzrayim, elle était tellement forte dans le Olam, c'est-à-dire que non seulement tous les peuples ils ont entendu évidemment, mais ils ont été profondément comment dire, imprégnés de cette notion-là de Géoula. Et à des moments où, quand ils ont voulu aussi avoir. Je crois qu'en Angleterre, il y avait un certain peuple qui voulait être libéré de là-bas, si c'était des Noirs, c'était des Lodatma. Et il y avait un leader là-bas qui a fait cette chanson. Let my people go.
Vous vous souvenez cette chanson? Eh ben, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu qui a été voir Paran, qui a dit Laisse my people go, laisse partir mon peuple. C'est ça, la Géoula. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit Tu vas aller sauver mon peuple. Moshe Rabbeinu a dit Non. Quoi, non? Non, je peux pas. Je suis bourré manoukhi. Je suis pas quelqu'un qui sait parler. Je bégaye. Je suis Michlal. Il se sentait pas du tout. Il se sentait pas à la hauteur. C'est-à-dire, ok, d'accord, il parlait avec Hachem et tout ça. Il faisait des doutes. Il se renforçait. Mais viens dire à un ben Adam qui fait des doutes, d'accord, qui est dans la Avodat Hachem et tout. Comme par exemple, tu prends quelqu'un qui a fait Tshuva et ça fait 10 ans ou 3 ans, je ne sais. Et à un moment donné, tous les grands les dirigeants de l'État d'Israël, ils viennent, les grands rabbinim, ils veulent lui dire Monsieur Shimon, maintenant, on a décidé que tu vas être le grand rabbin d'Israël. Tu vas être le Possek Ador. Il va dire Mais quoi? De vous rigoler ou quoi? C'est qui je suis, moi. C'est pas que mon cher Abeno, il était humble à ce point qu'il disait Non, moi je suis rien, comment je peux et tout. Il avait même pas la lamina. C'est pas que je suis rien. Il avait même pas la lamina. De quoi tu parles, Virlan? Moi je vais aller voir Paro, tout le peuple, tout le truc et tout. Moi je vais aller sortir. C'était la peur de Moshe Rabbeinu. En fin de compte, il avait de la Emouna, ok, il avait de la Emouna et tout ce qu'on veut. C'est pas d'aller parler à Paro, parce que lui-même, il avait été roi. À un moment donné, il n'avait pas peur d'un Manadam, il n'avait pas peur d'un roi, il n'avait pas peur, il n'avait pas peur de la guerre avec même les Mitzrites, s'il fallait se battre. On ne savait pas, il lui a dit, va le délivrer, peut-être qu'il faut faire la guerre, peut-être qu'il faut faire de la sorcellerie. Est-ce qu'il savait qu'est-ce que ça veut dire sortir le peuple? Il savait pas. Mais ce qu'il avait, il avait peur d'une chose, c'est des bénis Israël, c'est des enfants d'Israël. Il avait peur qu'ils ne veuillent pas, tout simplement, qu'ils ne veuillent pas sortir de Israël. Parce qu'il y avait tellement des Yetzer Hara, parce qu'ils étaient tellement tombés de toutes les facettes on va pas dire de la Torah parce qu'ils n'avaient pas reçu encore, mais il y avait quand même une Torah qui était transmise depuis Abraham, Yitzhak, Jacob, depuis Shem Va'Ever, depuis il y avait quand même, il y avait des valeurs dans les tzadikim comme Abraham Avinu, les patriarches et tout, ils ont été mekayam la Torah, Bémet. Ils ont accompli la Torah avec d'une autre façon que nous on l'accomplit aujourd'hui, mais ils ont accompli la Torah. Et même Rabbeinu Nachman de Breslev, quand il avait fait son voyage en Eretz Israël, à un moment, à son retour, bah c'était la guerre. C'était la guerre napoléonienne. Et donc, il avait pris place sur un bateau avec son aide. Et ils étaient vraiment sous les canons, sous les. C'était terrible, ils étaient en guerre et sur terre et sur mer. Donc à un moment donné, il y avait tellement de canons que le capitaine, il a bifurqué, il a pris une autre route. Ils sont arrivés dans une île et c'était Pessah. Et dans cette île-là, il savait que il avait peur avec nous qu'on le vende comme comment dire, comme un esclave. Voilà, qu'on le vende comme des esclaves parce que le capitaine là, il s'en fichait complètement, il voyait deux Youpin qui étaient là, alors pas trop de les abandonner, de les laisser, de les vendre, même de gagner un peu d'argent. Donc il risquait d'être vendu comme esclave. À ce moment-là, Rabbeinu, il a eu très peur, il s'est dit, mais comment accomplir la Torah? Et il a été comme ça dans des assagot, des assagot, des assagot. Comment il allait pouvoir accomplir la Torah sans tefilin. Comment il allait mettre tefilin sans tefilin. Comment il allait faire Shabbat sans le Kadesh, sans. Comment il allait mettre Mekayam Pessah. Il est arrivé à toutes les Hatsagot. Comment il allait mettre la Torah sans faire les Mitzvot Mamash Maasiot. Comment c'est lui qui le sait.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait une... C'est pour expliquer qu'il y avait une Torah avant que la Torah n'ait été divulguée, mamash, sur le mont Sinaï. Il y avait une Torah en potentiel qui était là et que les tzadikim, ils étaient massifs. Ils étaient à cette même brigade de savoir comment accomplir la Torah. Maintenant, mon cher Abénon, il avait peur de cette chose-là. Est-ce que les Béné Israël vont vouloir se séparer de la Touma dans laquelle ils étaient? Ils étaient dans la 49e porte d'impureté. Ça veut dire que, je ne sais pas si on sait ce que ça veut dire, ou bien qu'on est tellement dedans nous-mêmes que on ne sait même pas faire la différence. On en parle comme si tu sais, tu t'étais, je sais pas moi. C'est me dire hein, presque. Tu dis, où les pauvres, ils étaient dans la 49e porte de Touma, ils avaient passé toutes les portes, à dire qu'ils étaient, ma mâche, engloutis complètement, quoi. Ils étaient... Il y en a qui disent que nous aussi, on est engloutis. On est engloutis, on ne s'en rend même pas compte. Bon, on a nos retournantes, on essaie de faire, on essaie. Mais Kitsour, eux, ils étaient dans les Zerara beaucoup plus grands que nous, on est. C'est-à-dire que Baruch HaShem, on ne connaît pas le Nisyon de la Vodazara. La Vodazara, à l'époque, c'était quelque chose que c'était. Les plus grands Yetzirara qu'on peut imaginer aujourd'hui, ça n'atteint pas la semelle de la chaussure de la petite Avodazara de l'époque. C'était un truc dingue, hein, que merci HaShem qu'on ne l'a pas. Mais en tout cas, ce n'était pas que la Vodazara. Il y avait la philosophie, il y avait toute l'Égypte de l'époque. C'était des gens qui étaient très civilisés, qui étaient très intelligents, qui étaient très fancy, qui étaient vraiment la crème du monde. C'était les Égyptiens, l'Égypte à l'époque. Et quand on est tellement influencé, qu'on a baigné pendant 210 ans dans un peuple comme ça, où il y a tout. Où il y a tout ce qu'on veut, tout. Imaginez un pays où tu as les meilleures boulangeries, tu as les meilleures universités, tu as les meilleurs rofim, tu as les meilleurs cinémas, les meilleurs restaurants, les plus grands tavernes du monde, et tout le monde est d'accord, et tout le monde plonge, et tout le monde y va, et c'est ça la vie, c'est tout, c'est ça. Il y avait pas de, je veux dire, il n'y avait pas de Torah pour. Être mit modèle, oui je peux, non je peux pas, c'était. Alors, va sortir quelqu'un qui est dedans, qui est bien dedans. C'est pas qu'ils étaient mal. Mais ils étaient esclaves, non? Hein? Oui, ils étaient. C'est comme si les avaient en mangeant du pastèque, la viande, tout Voilà, c'est-à-dire, ils étaient vraiment, esclaves. s'ils n'étaient pas bien dedans, si c'était vraiment dur, dur, dur à ce point, ils auraient dit, ouf, enfin on sort. Et puis voilà. Mais après, ils ont dit, ouais, la viande, les courgettes, les concombres, les machins, les pastèques, pourquoi vous nous l'avez sorti pour mourir ici? Ils ont regretté. Il y avait quelque part où il y avait un kiff. Même, tu vas dire, aujourd'hui, on vit tellement dans la servitude, par exemple, du travail. Oui, on est dans une servitude, dans le travail. Voilà, tu suis bien d'accord. Mais, y a des petits kiffs dans la vie qui font que. On est habitué à cette vie, d'abord. Et Ça, il y avait un rave, il y avait un rave, oh, j'ai oublié comment son nom. Il disait pourquoi les gens ne veulent pas mourir? Parce qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont. Cette vie, ils sont habitués. Ils ont peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas mourir, quoi. Ils ont peur de la mort. Il y a un truc, on est habitué, mais bon, ça va, quoi. C'est dur, c'est vrai, mais ça va, quoi. Je suis habitué à ça. Donc ne me bougez pas trop, même si maintenant on va nous promettre un monde extraordinaire. Si on nous dit aujourd'hui, voilà, on vous ôte une porte sur le côté et on va vous faire monter, rentrer dans un monde des merveilles, au pays des merveilles. Voilà, mais ça, il faut tout laisser. Vous laissez tout, tout, tout. Là, on vous prend maintenant, on vous emmène dans un monde des merveilles. Je veux dire, moi je sais pas où je vais. On me promet mon énervé, on me promet une Dora, je sais pas ce que c'est. On me promet Eretz Israël, je sais pas ce que c'est. Ils avaient aucun monde de ce que c'était. C'est beau, c'est spirituel, c'est le nez, le miel, c'est. Mais va savoir. Alors on nous ouvre la porte, on dit allez, vas-y. Non, ça va, ça va, ça va. Non, non, je me plains plus. Non, non, ça va, je suis mystère. Je comprends. On a peur du nouveau. On a peur de ce que. Est-ce que Benet, ça va être comme ça?
On a peur, même j'ai entendu des gens qui sont allés se faire soigner, de problèmes pathologiques, de problèmes ancestraux qui sont ancrés dans le Ben Adam et qui ne veulent pas se faire soigner de peur de guérir. Parce qu'il y a une peur comme ça de guérir. Il y a des gens, ils sont habitués à leur maladie, ils vivent avec, ils ont peur de guérir. Pour dire à quel point la personne elle peut être malade. Donc c'était un petit peu comme ça en Israël. Ils étaient malades, mais ils avaient peur de guérir. Alors Moshe Rabbeinu avait peur de ça. Il dit, moi je suis d'accord, pas de problème. Je fais ma cote, Paro, il ne me fait pas peur, tout ce que tu veux. Mais est-ce que les Israël, ils vont accepter de sortir? Est-ce qu'ils vont être à la madriga de vouloir sortir de cette servitude-là? C'est pas ton problème, c'est le mien. Moi, j'ai décidé maintenant. Toi, tu vas aller, mais c'est moi qui vais les délivrer. C'est de ça qu'il avait peur, mon cher Abeno. Il avait peur que c'est lui qui va le délivrer et qui va pas y arriver. Alors Hachem, il lui a dit, va, fais la Ishtadlout et moi, je les délivre. Moi, c'est mon problème à moi. Moi, je m'en occupe. Parce qu'il n'y a rien qu'Hachem qui peut nous sauver d'Israël. Il n'y a que Hachem qui peut nous faire tchouva. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tchouva, ça n'existe pas. Personne ne peut faire tchouva. Voilà, vas-y, allez, fais. Qu'est-ce que tu vas faire? Le lendemain, tu retombes pire encore. Tu essaies de monter une madriga pendant t'as mis 13 avec, puis après, au bout, tu craques. On voit que ce n'est pas possible de faire tchouva. Il n'y a que ce qui va nous dire, la solution qu'il va nous donner, qui va nous permettre de faire tchouva. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, Mianochi, qui suis-je? Parce qu'il avait aussi, tout ce temps qu'il a fait avec Bodedout, il se connaissait très bien, Moshe Rabbeinu, et il parlait, il se connaissait par cœur, il parlait avec Hachem et tout. Et à un moment donné, peut-être, dans son Bodedout, qu'il se disait, peut-être que j'essaie de travailler sur la Gaava maintenant. Et peut-être que j'ai de la gava. Et quand Hachem il lui a dit, va sortir mon peuple, il s'est dit, ah, attention, on est en train de me faire un Nisayon là. On est en train de faire un Nisayon, me dire, tu vas aller sortir le peuple. Et moi, je risque de dire, oui, je peux. Alors, il s'est dit, non, alors je ne vais pas me faire avoir. Je ne vais pas tomber dans le panneau. Non, 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 je veux travailler sur ma gava. Je ne veux pas croire que je suis capable de sortir l'âme Israël. Et donc, pour cette raison aussi, il n'était pas d'accord. Une troisième raison, c'est qu'il a pensé à son frère Aaron. Aaron, à l'époque, c'était le manig en Israël. C'était lui qui était le rab, c'était lui qui était le chef, c'était le grand. Alors, il s'est dit maintenant, si c'est moi qui suis plus petit que lui, que Kadosh Barouh qu'il a choisi, ça va lui faire bizarre. Alors, Hachem, il a dit. Quand Moshe Rabbeinu lui a proposé à Aaron, il a dit, voilà, t'as mon frère, il est bien, il y a Pinchas, il est bien, il y a n'importe qui est mieux que moi. Alors Hachem, il a dit, non, regarde, Aaron, il se marre, Belibo, ne crois pas, il a aucune jalousie sur toi. Aaron, il est très content, c'est ton frère. Et que tu deviennes le manig de l'âme Israël, le chef de l'âme Israël, il est très content. Et ben, maintenant, il était comme ça. C'est que quand ils se sont rencontrés, quand Moshe Rabbeinu il allait vers Mitzrayim et qu'Aaron il venait vers lui, le passage qui dit Samach Belibo, dans son cœur il a été content. Et comme il a été content dans son cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il a fait cadeau la Kehuna. Il a été zoché d'être Kohen Gadol. Pour dire de cette joie qu'il a eue et qu'il n'a pas eu de jalousie sur son frère, Hachem lui a donné le mérite d'être Kohen Gadol. Ça veut dire que être Kohen Gadol, c'est évidemment c'est faire le service le plus proche vers Hachem et emmener les korbanot et tout. Mais c'est aussi porter les Urim et Thummim sur le pectoral. Et que grâce à ça, grâce aux Urim et Thummim, il avait Ruach HaKodesh. Il avait le souffle prophétique. Et de ça, on doit apprendre que quand on a de la joie de la réussite de notre ami, et que Baruch Hu, on n'a pas de jalousie. Alors ça permet à la personne de recevoir le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, c'est clair, quelqu'un qui a le Ruach HaKodesh, il voit clair, on lui pose une question, il a la réponse,
Il sait pourquoi il souffre, il sait pourquoi il est heureux, il sait qu'est-ce qui se passe dans l'âme, c'est un bonheur. Le roi Hakodesh, quelque part, c'est un bonheur. Parce que c'est le roi d'Hachem. Ça veut dire qu'on est Mekusha à Hachem tout le temps. Et ça, on le décroche avec le fait qu'on est Midgaber sur le fait de voir la réussite de notre ami et de dire c'est magnifique, je suis très content, je suis très content pour elle, que ça réussisse, tout ce qu'elle fait, elle entreprend tout ça. Et ça, ça donne une gadoute à la personne elle-même qui a cette Idgabrout-là, comme Aaron a. Il a eu de la joie, lui, de la réussite de son frère, il n'a pas eu de kina. Et Rachel Imenu, elle a eu cette matranoute là par rapport à sa sœur. Elle a fait ce mesurut nefesh là de lui donner les simaïnines pour qu'elle n'ait pas honte. Ça veut dire ça ressemble dans le fait ben Adam de Chavero que c'est pas qu'elle a eu de la simcha évidemment parce que il a travaillé pendant 7 ans. Yaakov Aminu, quand il l'a rencontré, il a dit t'es mon zivoug. Donc il n'y avait pas de doute. Hein. Et elle avait prié sur son zivoug. Enfin, il était arrivé. Et il a fallu attendre toutes ces années-là. Enfin, le jour de son mariage, il va arriver. Et elle voit sa sœur, que normalement c'est l'aînée. C'est elle qui aurait dû se marier. Et elle va lui faire honte. Hein. Elle a été mévatérée sur sa joie à elle. Sur son bonheur à elle. Pour la tova de sa sœur. C'est-à-dire, c'est un messeur de fèche pour l'autre que la Torah elle montre. C'est vraiment jamais sur une fèche. Et ce mais sur une fèche, il a valu quoi? Il a valu qu'au long des exils, tout au long des exils, alors on sait que tous les tzadikim, ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu prier pour la Géoula du peuple d'Israël et que Hachem n'a écouté personne. Ni Moshe Rabbeinu, ni les Avot, ni les Nevi, ni personne. Mais quand il a vu les pleurs de Rachel, il a dit: Mané, colère, mais Béhi, arrête de pleurer. D'accord, je vais délivrer l'âme d'Israël. Tu comprends? C'est la seule que 4000 ans après qu'elle a fait cet acte de bravo par rapport à sa sœur, cet acte de Vatranout, on écoute encore cette filotte dans le ciel. 4000 ans après, et tout le monde va la voir, c'est la mère du âme d'Israël. On l'appelle la mère du âme d'Israël, bien qu'elle n'ait pas donné vie à toutes les Shifteka. À toutes les tribus, on appelle quand même la mère d'Israël, l'Israël, et la Shrina, elle ne quitte pas son kever. C'est-à-dire, ce masélam de Vatranout, c'est extraordinaire. Quelle route la personne a pu acquérir. C'est-à-dire que la Torah nous dit tous ces masélam-là pour qu'on apprenne, on prenne du moussard de ça, on prenne la morale, de se dire qu'est-ce que c'est que d'aille d'être Vatran, qu'est-ce que c'est que d'aille de donner à l'autre ce qui m'aurait fait plaisir à moi, de le donner à l'autre, de fermer ma bouche pour ne pas être bayesh au moment où j'aurais pu avoir raison et obtenir une tova. Et à ce moment-là, si j'aurais dit un mot, j'aurais reçu une chica de plus par mois ou à ce que je sais. Non, je me la ferme. Et grâce à ça. Hachem, il va me combler. Donc, un manig Israël, comment dire, un libérateur, un rave, un dirigeant, quel doit être son comportement, c'est que quand on veut lui donner un nom, une manigoute, il se met de côté. Voilà, il se met de côté. Non, je ne peux pas. Ça, c'est la preuve que c'est le bon manig. C'est-à-dire, il se met de côté. Et c'est ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, tout le temps, à quel moment il a dit. Tu vas sortir là en Israël, ok. Quand ils sont sortis, il avait sa tante, il avait son ouel, Moshe Rabbeinu. Là-bas, il étudiait, il était, il vivait. Il a dit, tu vas ouvrir la mer rouge. Il est sorti de sa tante, il a ouvert la mer rouge. Et après avoir ouvert la mer rouge, la Shira et tout le reste, il est retourné dans sa tente. Il a dit, tu vas recevoir la Torah au Mont Sinaï. Il est sorti de sa tente, il a été recevoir la Torah, il est retourné dans sa tente. Il a jamais retourné dans sa pchitoute. Il ne s'est pas pris pour le Moshia, Zani, Moshia Israël. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y en a, quand il y a des élections, des machins, où il y a eu des rois qui ont dit Ani Amlor,
Annie, une fois j'ai entendu Rosh Memshala, le jour où on l'a fait Rosh Memshala, il a dit Annie, Yoshiam Israël, Annie, Rosh Bnei Israël, Annie. J'ai dit bon, celui-là, tellement d'Annie, 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 que c'est foutu. Il n'est pas resté, quelques mois, il n'est pas resté. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit Annie, Emlor, Hachem, il écrase. Donc la manigoute du tzaddik, c'est la marche de semaine de rester dans la chitoute. C'est ça qui lui donne le courage. Et la nitriyot aussi. Alors, le rab de Volozhin, le Sfat Emet, il dit Moshe Rabbeinu, Nachon, il avait des rov anava, il n'a pas voulu être le manik Israël, il n'a pas voulu délivrer l'âme Israël parce qu'il s'est senti petit. Qu'est-ce qu'il a dit? Va ma, avec Aaron, ils ont dit nous on est ma, on est rien, on est quoi? On est quoi? Et il dit, mais c'était quelque part une erreur. Parce que quand Hachem il donne une manigoude à un tzadikazé, on ne peut pas dire non, 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 je peux pas, je veux pas, je veux pas, je suis rien, je suis truc. Il y a un moment, il faut arrêter ça, quoi. Dire, je suis rien. Oui, à la fin d'une semaine, non? Combien de temps Une semaine, pendant une semaine, en 7 jours. Mais jusqu'à ce qu'Hachem il a dit, ok. Aaron, il sera ton ministre. Aaron, il va parler pour toi. Mais c'est dommage, parce que Nafshi, Yotse, Bedabro, c'est-à-dire le Nefesh, il est dans la parole. Le Nefesh, il est dans la parole. Quand la personne, elle parle, alors elle a un koar de son Nefesh qui sort et qui fait des choses dans la. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand Moshe, si Moshe Rabbeinu, il avait accepté de parler lui et pas à travers Aaron, qui a été comme pas un tamis, mais c'est comme un voile sur les paroles de Moshe Rabbeinu, alors on a perdu une chose, la Géoula Shléma. Parce que si Moshe Rabbeinu aurait parlé, 3 jours après, ça aurait été la Géoula Shléma. Dommage. Le tikkun haolam, la réparation, on n'aurait pas eu à passer tout ce qu'on passe aujourd'hui. Parce que le dibour de tzaddik, il aurait été metaken en sortant de lui directement, il aurait été tellement fort qu'aucun Ben Israël il aurait pu fauter. Il n'y aurait pas eu de veau d'or, il n'y aurait aucun qui coule. Parce que le dibour serait rentré directement dans l'âme Israël et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de faute. Il y a un moment, un etratson, comme on l'a dit au début, qui avait le 15 du mois de Nissan, qui est un moment qui est Nesugal pour la Géoula. Et ce moment-là, c'est Moshe Rabbeinu qui devait parler. Après, c'est après. Après, c'est même si c'est Kabbalat Torah et tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est un petit peu comme Kibyakor, comme ça. Quand il a dit les 2 premières paroles, c'était Bitu la Bechira, et ils ne pouvaient pas. Ils sentaient que si c'est Hachem qui allait dire les Aseret HaDibrot, c'est fini, quoi. Bechira, il n'y en a plus dans l'Olam. Ils sont obligés de faire la Torah, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y aura plus rien du tout. Ils ont dit non, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, Hachem, il a entendu, il a dit d'accord, donc je vais dire à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va vous dire les mitzvot. Et c'est là qu'il y a les charroux de oui faire ou de ne pas faire, que le Kohar Bechira, il n'a plus existé. Parce que c'était à l'aider, Moshe Rabbeinu. Mais ça, c'était un autre shlav. Tu comprends? Donc voilà, il y a que c'est ça aurait été une lumière extraordinaire. Chaque tzaddik il a un koar dans son dibour. Si Moshe Rabbeinu le parlait Az, ça aurait été la Géoula Shléma. Maintenant, chaque tzaddik selon la madriga qu'il a, Az, son dibour, il a un koar dans la voilà. Et tu vois le koar du dibour de Rabbeinu, parce qu'il a dit ses dibourim il y a 200 ans. Et aujourd'hui, c'est Mechayet Kol HaOlam. Tous les dibourim de Rabbeinu, Anim Shba'olam, Yad Besimcha, mais Tarzikou Atzmecha, il nous tient avec ces dibourim Rabbeinu. Et d'où est-ce qu'on sait que ça devait être la Géoula? C'est parce que là, quand je m'en fous, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller dire à Paro de laisser mon peuple sortir pour 3 jours dans le désert, et après on reviendra. Ils sont jamais revenus. Est-ce que il allait faire un mensonge à Moshe Rabbeinu qui dit à Paro on va revenir dans 3 jours, ils vont pas revenir? Parce qu'ils sont jamais revenus.
Ben non, c'était Bémet, ça devait être comme ça. C'est-à-dire que 3 jours, il devait aller dans le désert recevoir la Torah, sortir des 49 portes de la Touma, rentrer dans les 49 portes de la Bucha, revenir en Mitzrayim, qui était la crème du monde, leur faire tchouva, et à ce moment-là, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont retournés là. C'est de là qu'on sait que ça va être. C'est le Rav de Kamarna qui dit ça. Alors, la solution, c'est quoi? Donc, on m'a dit que c'était Moshe Rabbeinu, il avait perdu une chose. C'est que les Israël n'utilisaient pas la Emouna, qu'ils puissent les sortir de ces 49 degrés de Touma, parce qu'ils étaient vraiment incrustés. Et la vérité, c'est que 4/5 du peuple, ils sont morts dans la Makatrochère, parce qu'ils n'avaient pas du tout la Emouna, que Moshe Rabbeinu, il allait pouvoir les sortir. Et que 1/5, ils ont dit, on sait que c'est impossible, mais on a la Emouna. S'il le dit, c'est qu'il va y arriver. Et c'est ça qui leur a permis de sortir de Mitzrayim. Parce qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas sortis d'affaires. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, ils étaient au verbe de Zara. Les Malachim, quand ils ont été mes quatre règles, ils ont dit, Hachem, pourquoi tu vas tuer les Mitzrayim, les Égyptiens, tu vas faire vivre les Juifs. Et ceux-là, ils sont ils servent la Avodah Zara. Ceux-là, ils servent la Avodah Zara. Ça, c'était à la mer rouge. Parce qu'ils étaient en train de faire Avodah Zara à la mer rouge. Non, mais ils étaient en potentiel. Ils étaient Nimshar. Ils étaient. On leur a amené à la Avodah Zara. Ils auraient fait Avodah Zara. Donc, ils n'étaient pas à la Madrega. Mais le Kafsrout, c'est que ils avaient le Ratson et ils avaient la Emouna, Hashem, que Moshe, il allait, oui, pouvoir les sortir de cette 49 portes de Touma. Et c'est ça la solution donc. Parce qu'on est tous dans une prina de Mitzrayim. On est tous en Mitzrayim. On est tous dans le rocher, en plus maintenant. On est dans le quatre rochers. Parce qu'on voit rien, on comprend rien. Tout est obscur, tout est. Oui, c'est vraiment chez ma quatre rochers. Faut aller voter, il ne faut pas aller voter. Ch'touyot. L'obscurité, non, c'est On est dans l'obscurité l'obscurité. totale, on est dans l'obscurité. C'est-à-dire que même si on a envie d'être sadique, on a envie d'être sadique, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, alors on ne sait pas. Est-ce qu'il faut que j'aille à fond pour que je fasse des madrigotes auxquelles je ne suis pas aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que j'aille doucement, selon qui je suis? Est-ce qu'on ne me demande pas de faire des choses qui n'ont aucun cachet avec moi? De vivre à Ménacharim, pour nous, par exemple, c'est un truc de dingue. Ma question avec moi, mais la charrie m'éclate. Tu Si vous comprends? dites ça, Hein? si vous dites ça, Non, mais c'est. chaque fois que je viens par là, je dis qu'est-ce que je fais ici alors? Écoute, c'est ça, c'est le maître. D'accord. On est dans le crochet. C'est-à-dire qu'on est dans le crochet. Mais ce qui va nous sauver, c'est la Emouna que le Rabbeinu, il va oui, nous aider. Il va nous sortir de. Il va nous aider à arriver à ce qu'on doit arriver, c'est-à-dire à être sadique, à faire un tsanachem kirtsono. Et que ce qu'on doit faire maintenant, tout notre mérite, c'est de croire que oui, il y a une Géoula, et d'attendre avec des retsonot et des kisufim que ce jour il arrive, et qu'on va nous faire cadeau la tshuva, parce que nous, avec ce qu'on est, on ne peut pas faire tshuva. Il n'y a rien qu'avec l'attachement au tsadik qu'on pourra, oui, arriver à être auprès de la tchouva. Alors, comme le soir de Seder, la Shrina, la présence des vides, elle a été dévoilée. Elle est descendue dans l'âme d'Israël. Et donc, la nuit, elle se dévoilait dans la Hamoud Hesh, dans la colonne de feu, et le jour, dans la nuée. Quand la nuit partait, non, pardon, quand le jour partait, alors le Hamoud, il allait, le Hamoud Anan, la nuée, elle allait vers le Midbar. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que tous les Israélites, ils couraient derrière. Parce que c'était la Shrina. La Shrina, elle était Metgalé. Elle se dévoilait dans le Hamoud. Alors, ils étaient emportés. Ils avaient envie de s'attacher à la Shrina. Et ils couraient vers elle. Et ça racole. La Shrina, elle s'est dévoilée combien de temps? 24 heures. Le jour de 15 Nissan, elle s'est dévoilée. Et après, elle s'est cachée. Et pourquoi elle s'est cachée? Pour pouvoir permettre à la personne d'avoir des Nissiyonot,
parce que l'unisonote, c'est quand on ne comprend pas, parce que la shrana, elle dévoile pas, que tout n'est plus clair. Et au milieu de ces unisonotes, permettre à la personne de faire du nisiru nefesh, la shoot. Parce que c'est avec le nisiru nefesh qu'on sent les unisonotes et qu'on se rapproche du jour. Donc la personne, quand elle est dans son mitraïm, elle est dans sa avdoute de ses passions et de ses tavot et de tout le reste. Alors, à un moment, la shrina, elle est mitgalée, elle se dévoile, la présence divine, elle se dévoile à nous. Et on sent des choses, on sent Avat Hashem, on sent qu'on aime Hashem, on sent qu'on aime la Torah, on sent qu'on a envie d'avancer, qu'on peut avancer. Et au moment, on sent que... Et que cette lumière s'en va, on a envie de courir vers elle. Et après, c'est des moments où il y a l'obscurité, où on est dans les épreuves. Et c'est là qu'on se fait des kélim. C'est-à-dire qu'on vit tous, Keilu, comme c'est écrit, chaque jour l'homme doit considérer qu'il a été sorti de Mitzrayim. Chaque jour l'homme doit penser qu'il est sorti quand le sort de Mitzrayim. C'est même comme ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas chaque jour que la Shrina elle se dévoile à nous, mais en tout cas il y a des moments où elle se dévoile, on a envie d'avancer, et on avance et tout, et après c'est l'obscurité, on se demande qu'est-ce qui se passe, Bichlal, où est Hachem, où est la Simcha, où est le bonheur, où est la compréhension, et à ce moment on fait de la Avoda, on fait du Misuro Nefesh, c'est ça qu'il veut Hachem, qu'on se fasse des Kélim avec le mec en avance, avec le Misuro Nefesh. Et tous les Nisayon, ben c'est... c'est la savlanout, c'est d'avoir de la patience et avoir l'aimouna que grâce à Tzadik on peut arriver à avoir les trachout dans notre nefesh, noir, neshama, chaya et c'est une chose que disons que les gens qui sont dans la Kabbalah, qui sont des tzadikim, ils savent que quand oui, on est séparé en plusieurs parties. On a le gouf, le nefesh, le rouar, etc. Alors ceux qui connaissent les kavanot, ils savent quand on fait certaines mitzvot, on a des kavanot, on peut arriver à faire le tikkun, la réparation du rouar. Il y a des personnes qui sont arrivées à faire la réparation du nefesh par exemple. Et ils n'ont pas su comment attirer à eux le rouar. Alors, c'est une satana. Parce que la personne, si elle arrive à faire avec certaines mesures la réparation de son nefesh, et qu'elle sépare que le nefesh il a fini son tikkun, donc il part, si elle ne sait pas attirer le rouar, elle risque de mourir. Ras v'shalom. C'est la satana. Maintenant, Ravenu dit que grâce au tzadik, là, ça veut dire que lui, il connaît comment on fait ses tikkunim, mais comment on fait le tikkun du nefesh, le tikkun du roi, comment on attire la madriga qui vient après sans que ça soit une sakana pour le ben adam. Alors cet émouna là qu'on a dans le tzadik, c'est ce qui nous permet de recevoir ces réparations-là, tous ces tikkunim-là, sans passer par la sakana. Que tout se fasse de shalom. C'est ce qu'il dit, je ferai tu vois pour vous. Voilà. Voilà. Voilà, et donc selon chacun, on peut se lever les mains, on peut croire qu'on peut se lever un matin et être une autre personne. Des fois, on a une aura tellement grande qu'un jour, après Pourim, par exemple, on se lève, on est une autre personne. Ça peut arriver. Ou après Seder, on est une autre personne. C'est qu'à ce moment-là, Tzadik, il a fait sur nous ce qu'il fallait faire pour qu'il ait été métakan en nous, ce qu'il fallait être métakan pour pouvoir monter dans le madriga supérieur. J'ai mis ce qu'il y a.